Dash, il change pas. Il met même pas de couleur en plus sur son perso. Oui, il est sans basique comme ça. Jacques, par contre, tu parles pas. Tu viens là, tu t'es follow là. Je t'ai vu te follow au début du tournoi. T'étais pas follow depuis tous les tournois qu'on a fait, donc je t'autorise pas à parler. Voilà. Let's go. On est parti. Spec Daz, on va voir qui va gagner. Du coup, là, vraiment, je pense qu'on va avoir un match giga close. Et du coup, là, on est en BO5. Hein. Pardon, je le rappelle, on est en finale, hein, loser finale. Hein. Donc, BO5. Daz, pour l'instant, qui s'est toujours pas fait toucher. C'est ça. Ouh, et il rentre les dégâts. C'est bon, ça commence. La Spectre, on voit qu'il fait attention. Hein. Genre, il met deux coups, il recule. Hein. En même temps, il fait peur, Daz, hein, en vrai. Quand tu le vois, il avec ses SIG. Les NR avec la lance, ça fait mal aussi. Hein. Là, sur une side SIG, ouais. Faire gaffe aussi. Attention, non, ça passe pas. Side air, il va finir ? Non, il arrive. Ce que j'aime bien avec Daz, c'est qu'il a un bon gameplay aggro. Hein. Genre, quand il l'a dégagé sur l'edge, il va aller le chercher, tu vois. Il va pas attendre ou quoi que ce soit. Là il y va, il essaye. Pas passé. Il a bel avantage pour Daz. Voilà. Le beau combo à l'aspire là. Ouais mais il déroule Daz quand même là. Ouais, là il a une stock d'avance. Hein, ouais. D'un stock l'aspect qui arrive pas. Ouh la bonne si par contre. La bonne si. C'est très rare qu'on la voie, en plus cette île, elle est très dure à comprendre. Oh le stroke était bien fait par contre. Ouais c'est bon. C'est pas qu'il revient dans le match. Quand même, c'est Cyber, ouais. Oh, vraiment sachant que là t'as pas beaucoup d'options, si tu peux caler tes Cyber t'es content quoi. Un peu greedy par contre la signature là Daz, hein, qui espérait que ça touche, mais là tu la vois venir à 100 mètres je pense celle-là. Celle-là par contre, celle-là tu la vois pas venir celle-là par contre. Celle-là alors très bien passé. Et il prend la stock sur un down air. Waouh. Ouais, je pense que niveau raid ils sont à peu près égalité, mais Daz est beaucoup plus agressif que Spectre. Il joue beaucoup plus de spacing. Et voilà. Spectre qui arrive quand même à bien s'en sortir. Ouais, c'est ça. Faire gaffe. Parce que tout à l'heure, on rappelle le gameplay agressif de Raku passait pas, mais là, le gameplay agressif de Daz, il arrive à très bien à le caler quoi. Ouais. Mais c'est Daz, il joue agressif, mais il place les coups. Ouais, c'est ça. Ouais. Il sait se placer. Il fait peu d'erreurs. Mais... Oh, par contre, il a fait exprès de pas toucher le mur pour pas se faire punir, et c'était bien fait ça. Monsieur cherche. Shader, punish là avec la SIG. Très très bien passé. Là il a bien gratté les dégâts. Oh il a voulu bien punish la Daz, ça aurait pu être beau. Un petit throw. Non ça marche pas. Finir maintenant. Ah dommage, il a laissé remonter. Ah il arrive bien à tempo hein, sur le retour sur l'edge là à chaque fois. On prend bien son temps. Oh la SIG qui touche là, c'est bien fait. Du coup, je sais pas qui a mis. Attends, au niveau des points. Oh là là. Oh, ça prend la stock. C'est bien fait. Hein. Une stock d'avance complète, du coup, pour Daz. Hein. Vraiment propre. Et là, du coup, c'est assez serré. Hein. C'est, y a beaucoup de grosses mises. On est à 56% contre 44. Mais du coup, Après, on a 10 personnes qui ont voté pour Daz et 4 pour Spectre. Mais il y a plus d'argent sur Spectre que sur Daz. Par contre, là, on a une petite exclue quand même. C'est Spectre sans son Ygrim. Attends, il a pris autre chose là? Il a pris Fate. Je crois que même les gens dans le live qui spec des fois spec tout ça en ranked, ils ont jamais vu avec Fate. Let's go. Et du coup, 1-0 pour Daz, un joueur de droite. Là, en fait, là, ça va s'affoler. Qu'est-ce qu'il fait ou quoi? On va voir ce qu'il donne avec. Hein. Ouais. Il est en black donc je pense que c'est pas pour rien. Non mais Spec que je l'ai déjà vu sur Fate. Hein. Moi je sais que j'ai déjà vu, je sais plus quand, mais je sais qu'il l'a déjà sorti. Hein. Il se débrouillait pas trop mal avec. Il est en train de prendre une bonne avance quand même. Est-ce que c'était le perso à prendre? Je pense qu'on dirait que ça paye. Hein. Je pense qu'il va changer de gameplay, tu vois, là il joue beaucoup plus agressif qu'avec son Ulgrim. Ulgrim je pense qu'il joue plus pari et là il veut jouer l'agressivité. Ah oh, le bon punish là par contre c'est bien fait ça la SIG.
Les petits baits avant ouais. arrière là. C'est parfait. Puis c'est beau de voir une fate, on en voit pas. Enfin si, il y en a quand même pas mal en vrai. Gameplay l'orbe, son serre, ça tue. Ouais. Là faut vite le sortir. Ouais, là faut le sortir. Le problème de l'info c'est les kill options, hein. Il y en a pas, pas la meilleure pour ça. Petite recovery ou petite. Après les cycles de fight elles sont vraiment cool pour terminer quelqu'un. Parce que je trouve elles sont à courte portée, enfin le mec il peut être à côté tu... et elles sont rapides surtout. Oh. Ça fait pas de dégâts, l'orbe. L'orbe là, ça veut du sidelight. Ouais, sidelight sir. Voilà, c'est bon, c'est fait. Il reprend l'avantage, là tu repars sur la faux du coup hein, j'imagine. Non il repart même pas sur la faux. Je pense au niveau pour prendre des dégâts dès le début, pour pas pour tuer mais pour prendre les dégâts ça peut être bien je pense. Bon punish. Il a voulu planter là, pour voir ce que ça donne. Là il met des bons dégâts. Oh, c'est... Oh, ouh c'est mal, beau hein. Ah, très beau ce qu'il nous fait. Hein. Oh la wow. bonne si hey, il cale vraiment bien. Ouh. Là ça tue hein. Ah ouais ça tue par contre. Et il cale vraiment bien ses sig hein, Dazan, vraiment. Ah on est 91, est-ce qu'on pourrait être 104 viewers de ce qu'on dit dans le chat? Oh là là les gars vous régalez. Vous régalez. On a dépassé les 100 viewers pour cette loser semi-final. Daz versus Spectre. Attention. Let's go. Daz il est chaud aujourd'hui. Ouais. Ouais, Daz il est en forme. Hein. Tu sais que d'habitude c'est pas trop. Ouais, bah. Pas trop ouais. Et tout, mais là, après, du coup... Oh, la bonne sig par contre, oh. Ça c'est bien fait. Hein. C'est bien puni. Et là, on va arriver sur. Ouh. Ouh. Oh là là! Oh là 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 là! Ça finit là-dessus! Insane! Oh là 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 là! Oh putain! Insane! Là, ce qu'il dit dans le chat, allez go go go! Oh là là, les gens! Oh, c'était magnifique par contre, hein, ce qu'ils viennent de faire! Alexo, qu'on va chier! Comme ça! Oh, genre... oh, c'était insane quoi! Waouh! Incroyable! Putain, avec la plateforme! Ça, tu vois pas ça! Puis en tournoi quoi, tu fais pas ce genre de move là, ça rentre pas en tournoi souvent ouais, en quoi! Plus, ça, tu oh le fais en expérimental contre un gold! Et lui qui voulait DQ, qui voulait arrêter de jouer quoi, mais oh là 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 là! Oh, c'est beau! Si, on propo... eh, si ça propose pas du beau gameplay pour cette finale là, pour cette loser final, pardon, c'est waouh! Du coup, là, on est à 2-0 pour Daz! Là, super pour toi. Ouais! Ouais. Oh, si tu viens de rentrer quand même, c'est très pas mal. On sent les petits Teros là. Ouais. Un bon Teros, mais ouais, là, je pense qu'il a bien fait. Mais il avait bien géré avec sa fête, hein, vraiment. Ouais, ouais. Franchement, c'est vrai. Allez, on va voir sur ce. Peut-être ce dernier match pour Daz, à moins que Spectre arrive à remonter. On va voir si Teros est le bon pick. Au niveau du marteau, ça met des SR. Il joue rapide, il joue agressif. La bonne sig. Ouais. Ça fait une mort. Oh les bons punish, ça essaie de rattraper en recovery. Oh, la signature qui oh. passe. Oh ça passe ça, c'est vraiment strong là, il finit. Oh il a pas réussi à finir. Si c'est bon c'est fait. Vraiment propre hein. C'est side et ouais. c'est side air, il est trop trop bon. Il a vraiment la Daz, il est on fire. Ça met encore plus de suspense ouais. Si jamais il a fait shot. Hein. En tout cas elle est partie pour là parce qu'il a une belle avance quand même. Il laisse aucune chance à Spectre. Ouais, là par contre, il est un peu plus sur la défensive. Daz. Bah, alors, après, il veut gratter. Il est dans le rouge. Il sait qu'un coup il est parti. Ouais, non, ouais, il arrive. Oh, la DER. Ah, c'est fait. Ça prend la stock. Mais toujours avantage pour Daz hein, depuis le début. Hein. Il garde toujours un petit avantage derrière. Spectre qui joue un peu plus sur la défensive, il était très aggro au début du match, mais là ça joue un peu moins. Peut-être l'habitude de son gameplay H. Il revient quand même. Ouais, il revient. Neutral qui passe, qui punit. La down air. Là c'est parfait. Là je vois bien une petite sig. Là il va nous remettre une petite sig. Hein. Genre une petite sig en gravity cancel, je le vois bien. Hein. Il aime bien faire ça. Est-ce qu'il va nous le refaire?
Stompser. Le Stompser. Ah, il a tenté. Oh, les recovery random de l'âge qui tue. Ah non, il avait encore un saut. Il avait encore un saut, la surprise. Oh, le double nerf. Oh, mais il est trop chaud d'as par contre. Je suis surpris qu'il est... pas ce qu'il y a. Ouais, moi non plus. Hein. Clairement, là pour moi, là, c'était la mort. Et je pense qu'il a bien surpris tout le monde. Hein. Oh, par contre, c'est quoi tous ces nerfs tous les nerfs qui se passent là. Ah ouais, il l'a vu aussi, Spectre. Bon, la petite, lui. Et je pense que ça va être compliqué pour Spectre de remonter là-dessus. Hein. La signature, il va encore faire une. Ah, c'est la lose. Il a fait une raccoupe. Ouais. Ouais, bah après là en même temps il vous voyez pas comment il remontait après de stock, il était dans le rouge et je vois pas mettre 2-0 to death à Daz, mais vraiment vraiment GG hein. Ouais, monstre. Ouais, clairement là ça y va, GG, gros GG hein. Gros match et du coup on est sur du 3. Ou soumettre le résultat. Hop. Voilà. Et du coup, on va avoir la petite finale, enfin la grande finale, comme on dirait, avec Swata et Daz. Voilà. Hop.